Ok, ça part. Ça s'est vu à ta tête, mais je me suis... J'ai mon cœur, il a fait... il s'est arrêté. Hein. Allez. Est-ce que ça prend moins de temps? Eh, j'ai du mal à m'en remettre. Hein. Je vais faire une syncope. Hein. Allez, non, non, non. Ah, je voulais pas qu'il fasse ça, mais c'est pas grave, au pire. Oh là là, mais il y a du monde à la salle. Il y a même un mec qui fait de la corde à sauter. Pardon. On peut faire un méga entraînement? Si, fais-moi un méga entraînement, là. Le Yoshigegiri. Oh, il y a du monde. C'est fou. Oh, la dinguerie. Oh, ce que ça donne, c'est fou. Vous avez vu tout ce que ça donnait en énergie? Ish. Mais c'est incroyable. Mais c'est fou. Regardez la promotion. Mais frère, mais c'est fou. C'est fou. C'est trop fort. Point faible trop fort. Ish, ish. Ish, je peux même faire ça. Là, ça va être trop petite. Nous sommes prêts, Sensei. Ouais, ferme ta gueule. Skill Sensei, c'est moi. Voilà. Est-ce qu'il peut faire du pneu encore? Est-ce que ça me fait gagner plus de thunes? Je ne sais pas. Ça me fait rien gagner de plus, en vrai. Enfin, je crois. Bon, dans le doute, on va leur continuer de faire ça, mais... Quoique non. Arrêtez-vous. Faisons ça. Il reste 5 minutes. Ouais, ils se foutent de ma gueule. Tu sais leur parler aux gosses, évidemment. Faut leur montrer c'est qui le patron. On a gagné 500 et quelques dollars. Entraînement est terminé. Ah. C'était terrible. Il était complètement nu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Non, non, il portait un espèce de costume en latex flippant. Un peu du genre Catwoman dans le Batman de Tim Burton, Mahou. Mais qu'est-ce qui se passe? On est poursuivi. Voilà ce qui se passe. Mais par qui? C'est justement ce qu'on est en train d'essayer de déterminer. À en juger par la description, il devait s'agir d'un genre de Cat Burton. Et quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe, les gars? C'est Dozer, mon beau-frère. Il voulait se joindre à nous, mais d'abord, il a voulu passer s'acheter des nouvelles baskets. Ouais, mais j'avais pas un rond, alors je suis allé dans les égouts. Dans les égouts? Ouais. Vous connaissez la légende de Skateba premier? Non? Au plus profond des égouts, descendez. Et vous cherchez Skateba premier. Vous qui cherchez Skateba premier, pardon, peut-être c'est ça la phrase. C'est nul. Peut-être, mais un tas de jeunes de la rue prennent ces histoires très au sérieux. Mais moi, j'y suis allé 3 fois. Et à chaque fois, ça a été la même chose. Au plus profond des égouts, les ténèbres, la lueur de Skateba premier. Et puis, une féroce attaque dans le noir. Aucun de ceux qui se sont fait attaquer ne se souviennent de quoi que ce soit. Ces rues ne sont, sont notre protection. Tu dois te rendre là-dessous pour tirer les choses au clair. C'est basket? Skateba? Pardon, moi j'avais même pas fait le verlan, je suis trop vieux pour ça. Il est temps de faire disparaître le fantôme des baskets. Oh, c'est un catcheur, c'est Rey Mysterio! Ça part, je vais lui casser la gueule. On part dans les égouts, les gars. On se repose. Et on retourne dans les égouts. Pas le temps de niaiser. Je vous le dis. On va passer par là. Hein. Ils ont dit au plus profond des égouts, mais... Tranquille. Le problème, c'est comment on trouve le plus profond des égouts. Mystère. La pizza! Hop là. La Cosmo Pizza. Donc... Il faut que j'aille ici. Ah, il y a l'air d'avoir un gros point. Ok, 2 heures. Il m'a pas dit combien j'avais couru de kilomètres aujourd'hui? Quelle tristesse. Waouh! Ce serait le basket premier? Curieux, ce genre de choses m'avait jamais attiré sur cette paire. Elle a l'air si confortable, si ergonomique. Elle est si belle. Plus un pas. Elles seront à moi. Eh non, mais il est trop con, frère. Tu vois que c'est un piège. Et la minute, mais pas pour ça que je suis descendu. J'ai failli succomber à leur charme. Voyons où mène la piste. Mais il est con, frère. Genre, on voit bien que c'est une boîte avec un truc là. Oh là là, le catcher. X, qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Yeah, pourrez-vous poser la même question?
Et pourquoi que vous l'avez craqué sur la basket comme tout le monde? Parce que j'ai une raison d'être ici. Je suis là pour trouver le malfaisant qui s'en prend à de pauvres innocents. Est-ce que c'est vous? Ou une malfaisante? Eh bien, cela dépend des comment qu'on regarde la chose. T'es un peu italien, toi, non? Tu fais très mal l'accent, mais c'est pas grave. Oh, ces monologues de méchants, ça me saoule. C'est bon, il est maladé. Et moi, il est soumis au même dessin des Prousses. Je suis là pour appeler aux gens quelque chose. Ok, ça part. Bah allez, dites-moi, pourquoi? Toutes ces choses que vous possédez, ces télés finissent par vous posséder. Et elle est de l'autre côté, elle n'oublie jamais les sons. C'est bizarre, mon ref. Parce que vous étiez bien plus que votre travail. Et vrai, vous avez que votre compte en banque. Ce n'est pas la voiture qui conduisait, ni les contenus de votre portefeuille. Et bien sûr, vous n'étiez pas les baskets que vous portez. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. La publicité nous fait courir des voitures et des habits. On fait des travaux que nous détestons juste pour pouvoir s'acheter quelque chose dans le besoin. Mais quoi à la fin? Pourquoi vous vous interrompez et que comme tout comme ça? Je suis en train de faire un monologue de mes sangs. Je tenais juste à vous dire que je m'en bats les couilles en fait. Et qu'est-ce que ça peut vous foutre à la tronche maintenant? C'est zone, ça ne respecte plus rien de nos douilles. Ok, très bien. Ça part. Le micro va être humide. Ça va en vrai, ça va. Alors attendez, on se bat contre Desperado. Si, claro, c'est Desperado, si. Il aime bien. Bon, il est endurance. Qu'est-ce qu'il a? Restaure une grande entité d'énergie à chaque round. Coriace. Plus votre endurance est élevée, plus vos bouclages sont efficaces. D'accord. Double les dégâts infligés à l'adversaire avec KO. L'adversaire ne récupère pas d'énergie au début du tour. Très bien, ça c'est casse-couille. Donc là... Oh, il a quoi? Hadouken! Mais pourquoi il a ça et moi je l'ai pas? Très efficace contre les cibles statiques. Inflige des dégâts incroyables mais consomme beaucoup d'énergie. Ah oui. Les dégâts bloqués sont réduits en fonction de votre endurance. Ouais. Sensu énergétique, modificateur d'attaque. Draine une traction d'énergie de l'adversaire à chaque attaque. De quoi le... Hadouken! Bah peut-être parce que j'ai peut-être un petit peu trop joué à Tekken 2 quand j'étais jeune sur Sega. Modificateur de blocage, restaure 5 points d'énergie en cas de blocage raté. Force l'adversaire à gaspiller de l'énergie en réagissant à la trajectoire changeante de vos points. Modificateur de blocage, restaure 2 points d'énergie en décade raté. Ok, donc on a dégâts critiques, on a typhon. J'ai pas un autre truc. Ouais, perte d'initiative, mais on s'en bat les couilles l'initiative. Ça c'est quoi? Dégâts bloqués sont réduits en fonction de votre endurance. Ouais. Eh bien, vous savez quoi? On va faire la méga esquive, le contre-croisé. Si jamais on esquive un Hadouken, il va se faire défoncer le cul. C'est moi qui vous le dis. Et là, qu'est-ce qu'on a? Réduit de 5%. Alors, là, je pense que ça va être très cool. L'adversaire perd l'initiative. On va peut-être faire ça. Allez, au tapis, le Mexicain. Alors, attendez, on va faire ça parce que 5% de l'énergie, je pense que ça peut être fort. On va pas le faire tout le temps. On va essayer de garder un petit peu parce qu'on est déjà à moins 8. Et ça peut être pas mal parce que ça aussi, ça fait mal. Hein, le... Quoique non. Ça, je vais pas le mettre. Je vais mettre ça. Je vais mettre le chakra. Ça me fait moins 6. Mais je vais mettre le coup de poing, vous savez, ça là. Réduit de 30% l'efficacité des blocages. On va faire ça, je pense. Ça, je pense qu'en termes de stratégie, on n'est pas trop mal. Je pense que ça va le faire. Là, comme ça, on réduit pas mal l'énergie. Si on nous fait un Hadouken, il prendra des dégâts. Là, on a le petit coup de pied qui fait 2. On est à 7. Ouais, pas mal. Ok. Là, le Hadouken. Oh!
Ouais, ouais, bien, bien, bien. Vois des patates. Moi, le moins 20... Oh là là! Aïe! Allez, un Hadouken, non? Oh là là, c'est bon, on gère. Hein. Eh, on est sur une bonne lancée. Hein. Des bonnes lancées. Qu'est-ce qu'il fait encore? Nanana, en fonction de la santé de l'adversaire à chaque attaque. Quoi? Draine une traction de la santé. Mais quel fou! Il a changé de stratégie. On bat les couilles, on reste nous sur une stratégie gagnante. On lui a bien niqué son énergie. Allez. Voilà, le moins 15. Petit uppercut. Voilà, moins 7. Il m'a mis moins 130! Il m'a mis moins 130 avec son Hadouken là? Ah oui, il m'a. On est dans le jargon, il m'a pété la gueule! Ah oui, Ah oui. Ah oui, je. Je me fais péter la gueule, quoi. Ça part. Et voilà qu'il est mieux. Maintenant, vous avez écouté mon monologue des médecins toute la journée. Alors, on semblait bien choisi pour prendre la poudre des scampettes. Oh, bah, j'ai manqué de chance, c'est tout. Manqué de chance. J'aurais dû juste esquiver et puis ça partait. Bon, bah, je repars là. Hein. C'est pas grave, hein. On va se soigner, c'est bon. Regardez, on va aller chez Trifouilly. Ah non, c'est fermé. Bon, bah on va juste s'entraîner. Hein. Bah juste, j'ai pris un petit 130. Hein. J'aurais aimé qu'il se prenne les 40% de dégâts des 130. Ça lui a remis les idées en place. Mais tant pis. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ouais, bah, peut-être que je booste un petit peu ma santé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas boosté la santé. C'est quoi? À l'horizontale. Ouais, faudrait peut-être qu'on booste un petit peu notre santé. Pourrait être pas dégueu en vrai, je pense. Donc. Hop, comme ça on est santé à fond. On va faire la barre. Je sais plus si c'est ça le truc. Quoi que ça monte tout ça en vrai. Peut-être pas sûr que ce soit le meilleur truc. Il me faudrait un truc de force. Ça c'est le truc de force je crois. Non, pas du tout. C'est quoi le truc de force? Barre parallèle. Bon, Zef, hein. Faisons ça. Toujours, j'ai le combat dans 6 heures. Peut-être se faire péter la gueule par un autre gars, mais tranquille, hein. Par contre, c'est vrai qu'il a fait mal, hein. J'aurais dû écouter Thomas, en vrai. J'ai vu... En fait, Thomas, il m'a mis la pression, genre, il m'a fait un petit spoil, il m'a fait gaffe, il est fort. Tu vois, genre, j'ai pas eu la surprise, quoi. On s'est pris une manchette. On a parlé mandarin et... Et voilà! Ok, c'est dans une heure le combat. Ok, combat accessible, mais laisse-moi dormir, sommeil profond. Ok. Allez, le combat, on joue contre un mec. Vas-y, on joue contre un mec. Donc, lui il est en rouge, il est Berserker. Alors, tout dégât que vous cherchez pas à éviter est réduit de 1 point. Les attaques infligent 20% de dégâts supplémentaires, mais elles consomment 20% d'énergie en plus. Tous les dégâts que vous cherchez pas à éviter restaurent 3 points d'énergie. Augmente les dégâts infligés de 25% si vous êtes à moins 1% de votre santé. Très bien. L'adversaire perd de l'énergie, c'est blocage, j'ai réussi. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc il y a des nouvelles techniques à tester. Donc lui, il se bloque. Je crois qu'il bloque pas si. L'adversaire perd de l'énergie si. Ce blocage, j'ai réussi. Blocage à l'épaule. Si, il se bloque, non? Il se bloque, non? Vulgateur de l'attaque, réduit les coûts de l'énergie, les attaques esquivées. Les attaques consomment de la santé. Vos attaques consomment de la santé, mais elles infligent des dégâts supplémentaires. Ça va être chaud, frère. Mais j'ai pas un truc coup dans l'huile, hein. L'adversaire perd l'initiative. Ouais, peut-être qu'on teste ça. Ouais. J'avais pas un truc. Je sais plus où c'était, non. J'avais peut-être pas vu. Mais. Pour faire perdre. Après, il a pas beaucoup d'énergie en soi. On pourrait le taper. Quoi qu'on pourrait mettre des coups critiques.
à lui. Genre le dégât critique, ça peut être pas mal. Ça, on n'aura pas besoin parce que je pense qu'il n'y a pas trop bloqué. L'énergie, 5%. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça lui met un doigt dans l'œil. Attaque techniquement. 21. Ah, ça fait 21, ça fait combien? 18 d'énergie. Peut-être mettre ça, hein. On va peut-être lui mettre le doigt dans l'œil. On va lui faire ça. Je perds moins 10. Mais peut-être qu'à tout moment, c'est let's go, je fais trop mal. Allez, on teste. Ah ouais, il se bloque en fait. Oh, le 47. Oh, le 49. Ouais, oh, il perdait 31 par contre. Pardon. D'où il fait aussi mal? Oh, mais alors là, je vais te rentrer dans l'art, mon pote. Genre, ah, mais il bloque tout. Ah ouais, il bloque tout, il fait pas plaisir. Ah ouais, oh là là. Oh là là. Oh, il m'a mis une grosse patate de forain, le... Il est malade. Ah ouais, je vais partir sur full. Alors là, il faut que je lui pète sa gueule. Ah ouais, là, c'est... Pète-lui sa gueule. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Pète-lui sa gueule. Voilà. Stratégie gagnante. Alors, bah on a battu ce mec là. Vous connaissez ce mec? Trop fort. C'est bon. Bah voilà. Ni vu ni cunu. Ça va. C'était simple formalité. Point fait, trop fort. Hop là, la baveuse à fond. Putain, j'ai vraiment envie de faire cette mission, mais ça veut dire qu'il faut que je délaisse les enfants. Quoique non, j'ai juste à faire un objectif complet. Et ça pourrait le faire. J'ai mis de silver. Attendez, on va checker les missions déjà que j'ai, parce que j'ai oublié. Possiblement. Ah oui, attendez, j'ai un truc souffrir. Ouais, mais c'était en train de barre parallèle. Attendez, il m'a dit barre parallèle. Ouais, je pourrais prendre ça. C'est tout, j'ai tout débloqué en vrai. Enfin, tout débloqué, sauf... Entraînement de la barre horizontale. Sac de force. Bon, écoutez, on va peut-être faire ça. Hop là. Prenons-le. On va faire un petit peu d'entraînement et ensuite on traversera la ville et on s'occupera des enfants. Barre parallèle. Ah oui, ça... Bon, ça avance... ça m'augmente masse ma force, mais... Ça passe. Inscription accessible. Non, j'ai pas vu l'heure. Que diable, j'ai perdu une heure. Allez, on affronte Mad Mad. On a foutre. Je paye. Et on y va. C'est de pas perdre trop de temps. Hop. Et là on va faire full aller-retour les gamins. On va juste faire le strict minimum. Et ça sera bon. Je veux faire cette mission parce que je n'en peux plus. Hein. Pas vous mentir. Hop. Et hop, ça enchaîne les allers-retours ici. Tout ça pour cette montre hein, de silver. Hein, je n'en peux plus. Hein. Hop là. Ça j'aurais fait. Ouais, les 42 km. Hein. Et je suis sûr que ça va peut-être même pas passer. Hein. Et surtout qu'en fait, on est bloqué à cause des gosses. C'est ça le truc. Ok, entraînement est disponible. T'inquiète. T'inquiète, je gère les frères. Ah, c'est vrai qu'il y a le... Ah, c'est vrai qu'il y a le tapis. C'est vrai qu'il y a le tapis d'entraînement avec le tapis de course. Ça donne la solution. Fait un petit peu de backseat, mais ça part. Sensei, on est prêt. Ouais, fifrelin. Rien à foutre. On peut faire ça? Allez. On va juste s'assurer de faire le premier segment. Ouais, très bien. Ouais, mais repars. Voilà, refais ça. Ouais, faudrait peut-être que j'augmente la thune aussi. Hein. Ouais, j'augmente la thune. Que j'ai le petit point de thune supplémentaire. Ça pourrait être pas trop mal. Ok, on va peut-être manger la pizza. Parfait, ça part. Oh là là, oh là là.
J'ai l'impression qu'à chaque fois ça va me faire planter le jeu. Ok. Peut-être qu'on peut même encore avoir la promotion encore. Pouah, on l'a eu, c'est trop fort. Mais on est trop fort. Allez, on s'en fout les gamins. Retournez chez vous. Moi je vais, moi je cours. Faut que je fasse la mission. On va voir déjà combien on a fait en kilomètres. En vrai sur ça, sur parcourir en ville. On arrive en ville. Tout le monde change de trottoir. T'as même réussi à entraîner les gosses, c'est incroyable. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais même pas pu. Hop. Plus d'énergie. Mais au moins on peut faire ça. Ok, nice. Et donc là on va être à combien? 1h40. Attention. On a fait 43 km! Oh là là, on a tout géré. C'est bon! C'est bon, Silver! Merde! Et voilà, même pas eu besoin de faire de l'escroquerie. Tac, tac! Ça passe. Bon, par contre, est-ce que ça va me débloquer la mission? Je sais pas. Faut que j'aille voir Silver, je pense, rapido presto en vrai. S'ouvre à quelle heure? S'ouvre à 7h ou un truc comme ça, 8h, je ne sais plus. Au moins t'as 18 en PV, ça serait pas dégueu. Au moins 18. Voilà. Parfait. Et on peut faire la corde à sauter pour recharger bien comme il faut notre jauge. Parce que le combat est bientôt, hein. Allez, t'as faim. Je comprends. Peut-être aller chercher une pizza aussi. C'est bon, Silver, j'ai la montre. À propos du fitness, j'ai parcouru 42 km pour vous. Hein? Non. C'est moi qui a parcouru 42 km à pied en une journée. Oula. Tout le monde t'a entendu, tu sais Silver, mais on t'en veut pas. C'est vrai que vous voyez pas. Mais bon, y a rien à, en vrai, y a pas grand chose à voir. Si c'est un peu fort, pour tout le monde pense c'est moi qui l'ai fait. J'avais compris, hein, je suis pas con. Ah, je fais souvent ça car je suis super athlétique, c'est super cool en vrai. Vamos. Tout le monde s'en fout, mec. Merci fiston, je t'en vendrai ça. Tiens, je vais te laisser utiliser mon super régime secret neuro-entraînement. Waouh, en quoi ça consiste? Il restaure ta santé le plus rapidement possible. Chose extrêmement satisfaisant. Waouh, ça a l'air cool. Tu m'étonnes. Sans ce truc, je me sentirais vraiment seul. D'accord. Et ouais, ça me fait quoi? Super neuro machin. Attendez, c'est vrai que j'ai le docteur trifouillé, mais je sais pas si ça fait ça. Mais tu vas débloquer une autre partie de la map ou pas? Bah possiblement, peut-être avec la ville haute, mais... Pour l'instant, j'ai pas l'info. Ah oui, je suis à fond. Bah ça, il m'a dit que c'était gratuit. Il m'a dit... C'est quoi qu'il m'a dit que c'était gratuit? Ah non, il m'a pas du tout dit que ça, c'était gratuit. Hein. Never, il me l'a jamais dit. Oh, attendez, j'avais pas vu. Oh, Kikolin. Mais ça, ça fait quoi? Ah, c'est vrai que c'est ça. Bon, on s'en fout de toute manière. Je sais plus ce que je voulais faire. J'ai quoi en mission en stock? Ah oui, j'ai le catcher, c'est vrai, et j'ai les boîtes. Il m'en reste une boîte à trouver. Hein. Bon, je sais juste pas où elle est, mais... Ah, c'est ça que je voulais faire. C'était la pizza. Parce que je crois qu'il y a 5 chapitres dans le jeu et on est au 3ème. Donc en soi, on a encore du temps. Hein. Et hop là. Eh, hey, il est plein la pizza. Pardon, il faut que je me calme sur ça parce que... Il va me faire taper... Taper sur les doigts. Alors... Et pas un entraînement avec Goldie Roger. Bah ouais, le jeu il est long, hein. On dirait pas, hein. Bon, en même temps, on y joue qu'une seule fois par semaine, donc c'est logique, hein. Si on y joue un petit peu plus longtemps, potentiellement plus faire la différence. Alors, oui, on va manger. Et surtout qu'il faut que je remette ma jauge à fond, parce que je crois qu'elle ne l'est pas. C'est ça le problème. Hop. Ok, on est à 30. Ouais, mais on peut continuer à faire un petit peu. Et qu'elle restera 2 heures, on arrêtera. Genre ça. Comme ça, on se met énergie à fond et on pourra aller se taper contre Mad Mad. Ou je sais plus comment il s'appelle. Ok, ça part. Alors, Mad Mad. Qu'est-ce qu'il est? Il est vert. Il me casse les couilles. Il est vert. Saint-Etienne, là. Alors... Restaure une grande quantité d'énergie, blablabla. Il fait quoi? Les dégâts sont bloqués en fonction de votre endurance. Et j'ai l'impression que c'est le même gars que tout à l'heure, non?
Est-ce qu'il me fait des coups de pied qui font mal? 39, 13, 16. Force à vaisselle à gaspiller de l'énergie en réagissant à la trajectoire changeante. Oui, l'adversaire dépense plus, considérablement plus d'énergie lorsqu'il attaque de jambes et bloqué. Ouais, mais nous on fait pas d'attaque, on fait pas de blocage. Elle sort 5 points d'énergie en cas de blocage raté. Mais consomme plus d'énergie. Ah oui, ça consomme plus d'énergie. Ouais, mais il a beaucoup d'énergie, donc en vrai on s'en tape. Et comme il fait full blocage, bah écoutez, on repart sur notre stratégie. Quoique, est-ce que je ferais pas juste des petits coups de pied de merde? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut juste tabasser, hein. Et chakra, c'est quoi déjà? Je pense que je vais faire ça. Comme ça, ouais. Dégâts bloqués réduits en fonction de l'endurance. Donc, si je lui pète un petit peu son endurance, il sera un petit peu démuni, possiblement. Allez! Ben voilà, le coup de l'endurance. Est-ce qu'on n'a pas été malin? Bien sûr qu'on a été malin. Et là, pour garder un petit peu d'énergie ou même de force, on va juste faire des coups de pied haut. Ah, ça consomme quand même beaucoup, hein. Consomme quand même beaucoup, on va pas se mentir. C'est celui-là, non? Ouais, on va faire celui-là, mais ça devrait passer. Allez! Voilà 6. Voilà 22. Aïe! Aïe! Ok, au tapis. Allez, esquive-le. Parfait. Oh là là, mais hé! Quand je prends des bastos, mon ref! C'est même plus des bastos que je prends, c'est des coups de poignard! Bon, j'ai gagné en réputation, mais j'ai perdu en fric. Mais on monte le ladder. Ça passe. Ok. Bon, vous connaissez la chanson, la chansonnette. On récupère notre énergie. Hop. Enfin, plutôt... truc de corde à sauter, histoire d'être à fond. Inscription accessible. Mais on n'est pas pressé, il nous reste 24 heures. Voilà. Ok, il a la dalle. On a l'habitude. Hop, petite routine, comme d'hab. Il a faim. Ah! Problème technique. On va retourner voir Apu. Comment ça va, Apu? Bah, c'est plus Apu maintenant, c'est Jay. Impeccable. Ça, j'ai les réflexes maintenant. Hop, hop, hop. Gauche, droite. Parfait. Donc, on va prendre le kit culinaire. Ou on prend ça? Non, on prend ça, ça prend moins de temps, le kit culinaire. Quand je suis pas pressé, en vrai... En vrai, ça part. Allez! Après, si on arrive à avoir 20 en force, ce serait pas dégueu, hein. Ok. Ouais, j'ai vu que le temps arrivait vite. Ok, il reste 15 minutes. Ça va le faire. Hop, en parallèle. Impeccable, entraînement disponible. On a toujours pas eu la promotion, par contre. Genre la barre rouge, elle a pas continué à monter? Quelle trahison, quelle disgrâce. L'esprit du mal se lit sur sa face. Allez! On commence par ça, bien sûr. Parce que ça augmente. Mais de fou malade. Ça augmente la moitié. Ah oui, parce que c'était juste en vert classique. On va faire un deuxième. Ok, bon, deux entraînements, ça passe. Et allez, tout le monde s'entraîne! Eh, c'est vrai que le moral des jeunes descend beaucoup moins vite. Ça, c'est vrai que c'est cool, hein. Non, mais par contre, c'est une dinguerie, en vrai. On va pas se mentir, les gars. Et c'est fou. Juste à faire ça. Quoique, je peux même le faire deux fois. Hop. Regardez, c'est une dinguerie. Hop, on a même temps de faire leur moral. Regardez, pour le mettre à fond. Voilà. Et juste ça, je suis à fond, en vrai.
Regardez si c'est pas fou. Donc, comme j'ai dit, je sais pas si ça me rapporte des choses en plus, mais... Mais je prends. Ouah, non, je sais pas. 545. Pas dégueu. Mais non, on n'a pas réussi à monter. Ah, mais non, parce qu'il faut que je casse le mec du masque. Ah, mais non, c'est le Mexicanos qu'il faut que je tabasse. Eh ouais, c'est ça que j'ai oublié. C'est lui. Bon, monsieur Cyborg. C'est le mec de la Teen Titan, ça. Ok, c'est un mec en bleu. Il a le fantôme. Super. Combattez à Jimmy. Très bien. Ça serait qu'il faut qu'on se fasse le Mexicano. Je sais plus, il tapait très fort, c'est ça? Ouais, je crois qu'il tapait juste extrêmement fort. Hein. Enfin, je disais genre, il tapait juste extrêmement fort. C'est quand même beaucoup. Bon, cette boîte, je sais pas où elle est. Ça, c'est quoi? Augmentation d'efficacité ultra. Ah, c'est vrai que ça, je pourrais l'enlever. Le vibro-passoir, on s'en bat les couilles. Je sais plus comment on enlevait le truc. Oh, faudrait que je change ça, le vibro-passoir. Pour mettre quoi à la place, je sais pas, mais faudrait mettre. Je crois que le docteur, il a peut-être des trucs sympas. Pas mettre des bras bryoniques? J'aurais dû dire oui au début du jeu. J'aurais mis des grosses patates. Installer un logiciel. Objectif endurance. Ça, c'est les blagues. C'est comme avoir son propre véhicule. Réduit légèrement les coûts en bus. Mais on s'en fout, c'est gratuit. J'ai bientôt fini toutes les quêtes principales. Je sais pas, non, il reste plusieurs plusieurs chapitres, donc en vrai, je pense pas. Hein. C'est vrai qu'il pouvait mettre ça. Objectif force, objectif endurance. Il n'y avait pas un meilleur truc. Qui c'est qui me donnait des... Il n'y avait pas... Et lui, il n'avait pas un truc à me proposer, lui. Un logiciel de hack. Popote ton logiciel. Ok, c'est parti. Rends la vie plus belle et plus cool. Effet. Ah non, ouais, on s'en bat les couilles. Ah ouais, non, mais lui, c'est de la merde, ce qu'il me propose. Après, il y avait Silver qui me proposait un truc, je crois. Ouais, pas si un... La Silver s'est fermée. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, j'ai le combat bientôt. Je sais plus ce que je voulais faire. Bon bah, on va s'entraîner. Ouais, je voulais enlever le truc des nouilles comme on bosse plus, mais... J'ai total forget. Putain, il a toujours faim, c'est... C'est affolant ce perso, j'en peux plus. Ah oui, j'étais allé acheter de la bouffe, je crois. J'étais allé acheter de la bouffe. J'en ai plus déjà? Que diable, ça allait tellement vite. Je vais m'hydrater, On n'oublie pas. Bon, on va faire un petit peu de force en vrai. Allez. Parce que je vois moi je vois que la force elle monte assez vite. Allez. C'est bien, il a bien travaillé là. Là les triceps ils sont en feu, c'est moi qui te le dis. Hein. Hop. Impeccable. Pas besoin de dormir. Continue à faire. Continue à faire les trapèzes. J'ai dit triceps. Ouais, trapèzes, triceps. Tout est travaillé sur cette machine. Hein. Ah ouais, ça monte bien de ouf. Hein. On va bientôt passer en rouge, j'imagine. Ok. 2 heures avant le combat, je pense qu'il va être temps d'aller dormir. Histoire de régénérer un peu tout ça. Et d'être en forme pour le combat. Parfait. Donc, on va rechecker ça par contre parce que on a pas mal de choses qu'on n'a pas prises. On m'a parlé du fantôme tout à l'heure, c'était quoi? Négateur d'esquive. Drap blanc augmente fortement les chances d'esquive réussie. On va peut-être l'acheter en vrai. Ça fait 27 de dégâts, mais ça fait 25 d'endurance. Ça demande 3. En vrai c'est fort. Hein. Ça consomme juste de l'énergie. Ouais, on achète. Octroie de la chance 3% de réduire le maximum d'énergie de l'adversaire. Ouais. Le Yuan Nikite. À chaque fois, je me trompe de touche. À chaque fois, je fais les flèches alors qu'il faut pas faire ça. Frappe des 4 droits pile entre les côtes. Mais c'est vraiment un truc de merde ça. Ah mais c'est pour avoir contournement et tout. Réduit d'un % les chances de blocage de l'adversaire. Frappe réussie augmente les dégâts.
Ouais, ça fait 6, 12. Ça doit faire ça, 6, 12 machin. Capacité de défense octroie une très bonne chance d'esquiver potentiellement après une esquive. Contre-attaque. Renvoie les 60% des dégâts qu'il inflige lorsqu'il active est réussi. Oh, je vais peut-être prendre contre-attaque, hein. On va peut-être aller chercher ça, là. La patte du tigre. Ouais, j'ai dépensé sans compter, ça vous pose un problème? Dégâts infligés à l'adversaire, n'essaie pas de bloquer ou d'esquiver. Ouais. Je cherche pas à se défendre. Oh, ça c'est fort de fou, ça. 60%, ouais, ça va. Ça envoie des grosses patates. Et surtout, ça a l'air d'être un espèce de passif ou je sais pas quoi. Là, après, on détruit beaucoup des poumons, mais... En vrai, moi je tape, hein. 1000 points furieux. Augmente les dégâts. Ouais, mais ça, de toute façon, c'est des attaques améliorées. Donc, en vrai, je pense qu'on a pris les meilleurs trucs. Bon, on va tester. Au pire, on se fera soulever. C'est pas trop grave. Donc, lui, c'est le Cobra. Faut que la RNG... Bah, évidemment. Vous savez très bien que j'en ai pas. Donc, lui, il a quoi? Il a le Yukon Kinkite. Coup de pied qui repousse aussi l'adversaire. Ouais. Ok, donc il a des grosses attaques qui font mal. Il a image résiduelle pour augmenter l'esquive. Mais nous, on va jouer évidemment sur le contre-croisé. C'est quoi ça déjà? 50% les consommations de l'énergie de l'adversaire. Pour l'instant, je pense que je vais faire ça. Je vais faire le drap blanc. Comme lui, il a. Ça, c'est quoi? Obligatoire d'esquive. Un point d'initiative. Un point d'initiative en tant d'esquive ici. 3 points d'énergie. Ouais, ouais, ouais. Donc, lui, il va faire beaucoup d'esquive. Ça, c'est quoi? Je cherche pas à se défendre. Bon, je sais pas si je pourrais le toucher. On va essayer de prendre des trucs qui font un peu de dégâts, mais qui prennent pas beaucoup d'endurance. Wow. Parce qu'en vrai, je vais essayer de l'avoir, moi, sur mon esquive. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais pas sûr que ça marche. Le truc, c'est qu'il va me consommer beaucoup de trucs. Donc je vais faire ça. Essayer de lui mettre 2-3 petites tapes. Et surtout, lui faire perdre de l'énergie et de l'endurance. On va tester comme ça. On va jouer sur l'image résiduelle. Allez. Ok. Moins 7, moins 31, ça fait pas plaisir. Ok. On sait bien, c'est qu'on consomme pas trop. On consomme pas trop. Bon, malheureusement, on a pris un énorme coup. Mais en vrai, c'est pas trop mal. Bon, j'ai pas d'initiative. Ça, c'est l'initiative, ça? L'initiative. Dépend de l'agilité. Eh, mais pas perdre l'initiative. C'est quoi qui fait perdre l'initiative? Lui fait perdre l'initiative. On va peut-être faire ça. On va faire quelques-uns. Aïe, aïe, aïe. Moins 21. Ok. Fait des bonnes esquives, hein, le bougre, hein. Ok, le moins 4. Ok, moins 8. Hein, il se défend bien, le fifrelin. Il se défend bien. Il se défend bien. Petite sous-merde. Mais qui est trop vénère. Bon, faut que je récupère mon énergie. Ah non, j'ai fait ça deux fois. Ouais. Le problème, c'est qu'il fait beaucoup d'esquives. Coup critique. On va peut-être faire lui perdre de l'initiative pour l'attaquer. Je vais faire ça. Faut que je lui fasse consommer un petit peu son énergie. Parce que là, je suis un petit peu dans la merde. Mais lui, casse à Robocop. Attends, attends, attends. Parlons pas trop vite. Voilà, moins 21, let's go. Moins 4. Moins 8. Moins 15, ça c'est plaisir. Moins 21. Voilà, on va juste... on le prend tranquillement. On l'a l'endurance. On l'a... on gère bien. On gère bien pour le moment là. Voilà, parfait. Le moins 7, moins 14. Là, on récupère de l'endurance. On gère, on gère. On consomme juste. Tranquille.
Regardez ça. On fait tout sur l'esquive. Voilà, petit moins 21. Et ça part. C'est K2000. Au tapis, mon gars. Passe au contrôle technique la prochaine fois. Bon, ça part. On a gagné pas mal de compétences. Oh là là. Eh, hey, monsieur Barry, j'ai encore gagné. Je suis trop fort. Ouais, mon garçon, félicitations. Ah, j'ai atteint les 7000 points SBC. Ce qui veut dire... Monsieur Barry, quelque chose ne va pas? Hein? Non! C'est juste que je reviens à la ville et je ne la reconnais plus. Que voulez-vous dire? Eh bien, quand j'avais ton âge, c'était une ville tranquille, comme toutes les autres. Il y avait quelques rues, des gymnases, l'épicerie d'Apu, et puis c'est tout. À peu de choses près. Mais aujourd'hui, on dirait que tout est apparu comme par magie. C'est devenu une métropole géante. Un endroit où l'on peut trouver n'importe quoi, sauf peut-être son âme. Et puis tiens, il y a un autre truc qui manque à cette ville. Une bonne vieille pizzeria. Avant que Bobo et ses aliments de base à base de baveuse envahissent le marché, on avait une super pizzeria ici. Le type qui la tenait était un vrai dur. Je me souviens qu'il rêvait pour avoir... qu'il rêvait de pouvoir un jour partir en Crète. Ça va faire un moment qu'il s'y trouve. Mais ça va, frère. Il est barjot, lui. Enfin bref, sa pizza à l'ananas me manque terriblement. Quel délice. Oula, ça a peut-être sa portée des foudres, hein, dont mon personnage. Mais ce qui manque encore plus, c'est la pizza super spéciale qui faisait la cosmique ou un truc comme ça. Celle-là, mon garçon, elle déchirait grave, tu peux me croire. Ah, la pizzeria en face de la vieille maison, une pizzeria qui déchire, ça me dit quelque chose. Mais oui, c'est Kazé. Je crois savoir où on peut trouver une part. N'en dites pas plus. Apportez une space pizza. Je crois savoir si ça va monter le moral, Barry. Mais j'ai la pizza déjà, frère. Parle-lui, c'est bon. Voilà. Nye. Les donuts pour la fête. Quelle fête? Pour célébrer ma machine à victoire. J'ai peut-être oublié de lui donner les donuts, par contre. Arrête de me faire perdre mon temps, gamin. Je suis très occupé. Il me fout de ma gueule. Mais, Michel il me casse les couilles, frère. Alors attends, j'ai une nouvelle mission. J'ai une nouvelle mission. Ah ouais, c'est vrai que j'ai toujours Rey Mysterio à affronter. Apporter une space pizza à Kazé. J'ai plus de space pizza. J'en ai plein. Qu'est-ce qui me casse les couilles? Peut-être que j'avais pas fait le truc, hein. Bon. Écoutez, on va retourner à la salle. On va trouver Jean. Enfin, il est pas là, malheureusement. Et il faut qu'on essaye de taper Hadouken. Hadouken! Va falloir qu'on se le farcisse, hein, parce que... Va falloir compter sur l'esquive. En tout cas, j'espère. Pas que ça va marcher. Ah, oh merde, il faut que je bouffe. Quel jeu de merde. Ok. Inscription. Encore? Je passe ma vie à m'inscrire. Ok. Alors, le robot infiltré. Bon, bah... Ouais, très bien, je prends le robot infiltré. Pour le top 5, déjà le top 5. Putain, mais qu'est-ce qu'on va vite aujourd'hui, hein, c'est fou. Je dis ça, il est quasiment 21. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Même quasiment 21h, donc normal. Oh, c'est vrai qu'on a les élèves qui vont venir. Oh non, quelle trahison, quelle disgrâce. Et hop, le 19 en force. Vamos. Aïe. Coup dur. Ouais, ouais, je le fais bien aussi, hein. Parfait. Bon, on va peut-être pouvoir manger quelques pizzas en fin de compte. Ok. C'est bizarre à chaque fois, mais c'est pas grave. Allez. Je vous dis, après on va essayer de taper l'autre mexicain là. Mais il te le dit, il ne suit pas, il le mésane dans l'histoire. Je suis désolé, il parle comme ça, hein. Moi, je ne fais que lire, hein. Donc, on a validé tout ça. Allez, encore une part de pizza parce que j'aime. Oh, les donuts! Ça part. Hop, la pizza. Ok. Hop.
Hop l'endurance et hop le tapis. Ça veut dire qu'on a affronté 10 gars aujourd'hui. Eh, hey, ça allait plutôt vite en fois. Allez, impeccable, ça c'est fait. On a fait l'objectif. On a qu'à dormir sommeil profond. Ok, nice. Donc, on a le combat dans 21 h. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ce que je vais faire? Je ne sais pas. Acheter. De toute façon, j'ai 3000 dollars. Donc en vrai, tranquille. Hop, on va aller chercher juste des pizzas. Au cas. Bon, on est un souci. Oh, salut. Oh merde, j'ai déclenché la mission, c'est pas grave. Shalom. Shalom. Oula, pardon. Salut, petit Saboum. Kazé, je suis tombé sur un ancien client de votre pizzeria. Il aimerait bien remanger votre part de super pizza. Croyez que c'est possible? La space? Mais bien sûr. Cette pizza-là, une fois qu'on y a goûté, on peut plus jamais l'oublier. Pas vrai, maître Bill? Oh, que oui. Tiens. La Cosmo Pizza, merci. Excuse-moi, mais... C'est quel client dont tu m'as parlé? Mon manager, monsieur Barry. C'est curieux, ça. Je me souviens pas qu'il soit passé une seule fois à ma pizzeria. Il m'a dit que la préférée, c'est la pizzeria à l'ananas. Il y a bien un gamin qui traînait souvent dans le coin. Il commandait toujours une pizza à l'ananas, mais ce n'était certainement pas ce zozo qui te sert de manager. Il rêvait de devenir flic, ou un truc du genre. Peut-être qu'il a été finalement fini par rentrer dans la police. Quel taré. Enfin bref, il n'y a vraiment que pour lui que je préparais ça. Personne d'autre ne voulait vous faire un truc pareil. Et Kendo Saki, mais bon, ça c'est différent. Ok, ça, je peux en prendre une autre? Hop là, c'est Tipa. Bon, sortons d'ici. Je crois que c'est par là. Let's go. Donc, on a la pizza. Mon baril s'est fermé. On va juste reprendre notre énergie. Faut juste qu'on mange, bien sûr. Mais je vais me faire ce Mexicano, si. Ce luchador. Ce luchador légendaire. Il veut le taper. Attends. Ok. Bon, il est parti. On va le taper. C'est bon. Il m'a saoulé. Maintenant qu'on a Casper, peut-être ça va mieux marcher. Attends, il était où le... Ah non, je l'ai pas rebattu. C'était où Casper? Ouais, il aura peur de moi. Attendez, c'était où les gars qu'il était? Vous vous rappelez? Je crois que c'est encore un peu plus haut, je crois. Ah oui, c'est là. Hey, je vais te taper. Et c'est encore vous? Et vous êtes là pour écouter mon monologue des méchants? Ouais. Désolé, pas aujourd'hui. Ah si, il faut que je l'écoute. Alors, on va les couilles. C'est très suspecté tout ça. Bon, pardon, exercé dans le micro. Personne n'a jamais voulu écouter jusqu'au bout. Vous vous fichez de moi? Ouais, on va le taper, pardon. Vraiment, il y a une météorite sur mon filtre anti-pop. Hein. Heureusement que ça sert. Donc. Ouais, on a l'esquive, il faut lui faire perdre son endurance. Et il fait le Hadouken. Très bien. Et quoi, il fait des blocages, c'est ça? Les dégâts bloqués en fonction de votre endurance. Ouais, parce qu'il bloque tout, c'est ça? Bah, va juste lui mettre des petites pichenettes. Attends, mais si, il se bloque pas, c'est ça? Les dégâts bloqués sont en fonction de votre endurance. Mais il bloque pas, armure vivante. C'est-à-dire que s'il cherche pas à se bloquer, je lui mets des... Je mets la patate du tigre. Non? Il faut lui mettre la patate du tigre. Grosse patate du tigre. La Desperado, ça se bat pas. Si, si. Faut prendre la classique, elle est très bien. Ou la lime, petit peu citrotée. Elle a 8000 points, frère. En vrai, il est chaud patate, hein. Augmente de 40% les dégâts et la personne n'espère pas de bloquer ou d'esquiver. Bah attends, je pars sur ça. Esquiver ça? Mais gros, mais je suis censé pouvoir le niquer. Réveille le tigre. J'espère que ça va passer. Hein. On est d'accord qu'il bloque pas. Les dégâts bloqués sont réduits en fonction de votre endurance. J'espère que c'est bon. On teste, on verra bien.
C'est chaud ma gueule hein. C'est chaud. Je pense que ça passera pas. Faut le marave. Faut le taper. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Michel. Vamos! Tu sais que la Desperado! Terminé! Bon, voilà, mais c'est bon, on s'est mieux préparé. On avait la technique. Oh là 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 là, on lui a pété sa gueule. C'est bon! Eh, pauvre de moi, personne, il veut jamais écouter mon monologue des méchants Yeikobu. Vous savez, tout le monde déteste les monologues de méchants. C'est juste chiant en général. Et puis, ce n'est pas comme si vous étiez l'agent Smith ou Tatanos. Eh, mais ça me fonce là. Avec tout le respect que je vous dois. Eh, mais qu'est-ce qu'il doit faire alors? Aucune idée, mais si vous aimez les gens qui vous écoutent, essayez le stand-up. Ou les toasts de mariage. Eh oui, les stand-up. Je vais réfléchir. Merci. Oh, allez, bye. Il aurait dû dire gracias. Et attendez. Il y a quelques idées. Et vous voulez l'écouter? Tu sais ce qui m'énerve le plus? C'est le fait que les gens, ils ont brillé, qu'ils sont vraiment. Tout n'est pas son travail, pas vrai? Tourner par la voiture, toi tu conduis, né. Je crois savoir comment ça va finir. Ok. Bon, on n'aura plus d'Esperados. Sensei, comment ça s'est passé? Eh, hey, t'as dit... pardon. C'est réglé. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit problème, mais le fantôme ne vous opportera plus. Oh non. On s'en fout de tout ça. Est-ce que vous avez eu les baskets? Ouais, elles sont où les baskets? Mais je m'en bats les couilles, les baskets, hein? Mais je ne suis pas occupé de ça. L'important, c'était de battre le type qui essayait de vous niquer. Ah. Quand mon beau-frère va peut-être pouvoir revenir à l'entraînement sans basket. Mais il en a déjà au pied. Et regarde. Regarde ce bout de ses jambes. Ouais, mais je voulais une autre paire. Comme l'a dit une fois un célèbre comédien de stand-up, les choses que tu possèdes finissent par te posséder toi. Même pas marrant. Pff. Mick, un peu de soutien. Félicitations petit, tu fais désormais partie des élèves de mon gymnase. Ouais, super. On se revoit à la prochaine séance d'entraînement. Alors là ça va, on va débloquer un nouveau truc non? Et coucou WM, comment tu vas? Comment s'est passé ta semaine? Mick, ces gamins sont juste pourris gâtés. Faux! Ce sont des gamins qui te sont venus en aide, tu te souviens? Qui serait-il avenu de ta mère sans eux? Mais Mike, celui-là, on ne l'avait jamais vu avant. Tu te plains beaucoup trop pour un sensei, je trouve. Essuie tes larmes et continue de faire ce que tu as appris à faire, aider les plus démunis. Tu es responsable de ces gosses désormais. C'est bon! Piège désamorcé. Ça part. Let's go. Bon, attendez, qu'est-ce qu'on... On a les pizzas. Bon, par contre, on n'a plus d'énergie, ça c'est logique. Et au niveau des missions... Donc on a fait le luchador légendaire et on a devenir maître, c'est la prochaine étape, mais je pense qu'on l'est déjà. Il est quelle heure? Il est 1h du mat, on va faire un petit peu de corde à sauter et ça va passer. Il a fait très chaud, bah moi de mon côté ça allait, hein. Je crois qu'il doit faire même pas 25 dans la part, donc ça veut dire que les températures n'étaient pas trop élevées. Bon, j'espère quand même que tu as pu te rafraîchir un minimum, peu importe la technique utilisée, mais que tu n'as pas souffert trop. Allez, impeccable. Bon, notre endurance ne monte plus trop. Mais c'est pas grave, on fait avec. Hop! Ish, ish, ish. Ish. Ah oui, dormir sur les profonds, c'est important. C'est vrai qu'on a un prochain combat en plus. On va falloir s'en occuper également. Hop! Petite barre parallèle. Et ça part. Oh, mais par contre, vous avez vu comment ma santé, elle augmente?
Peut-être pour ça je me fais marrer, je perds tellement de santé aussi. Non? Je sais pas. Non, continue frère, vas-y. Encore quelques... Ok, le combat est accessible. On va dormir, bien sûr, avant le combat. Toujours important. Et c'est qui qu'on affronte? On affronte l'espèce de robot, non? Ouais, je crois qu'on affronte le robot, le mec un peu nul. Attendez, il est 20h, est-ce que je peux aller chez Barry? Ah non, c'était fermé chez Barry White. Allez, c'est parti. T'as un gaz cassé d'aspirine. Maintenant, on va se mettre avec toi comme homme avec un homme. Ouais. Très important, pas taper dans les boulettes. Parce que, comme tous les humains hommes, j'en ai avoir deux. Elles, c'est des boulettes très sensibles. Oui, oui. Une fois, j'ai laissé elles écouter une évanescence. Et elles ont pleuré toute la nuit. Waouh. Qu'est-ce que ce être? Ça, humour. Ce type est clairement un humain, pas robot. Que les humains, ils ont l'humour. Le sens d'humour drôle, je veux dire. Vous n'êtes pas d'accord? Et pourquoi t'arrêtes pas de parler comme ça, comme un abruti? Dire de quoi? Que tu es humain et pas un robot? Parce que je suis humain. Je suis. Comme qu'ils disent, humain qui roule vaut mieux pas deux cruches à l'eau, pas vrai? Ok, très bien, je suis ravi. Un plaisir. Quoi? C'est même pas vrai, hein, c'est même pas un vrai dicton. 1-0-1-1-0-0-1-1-1-1-0-1-0-1. Y'a un robot, s'il vous plaît, qu'on fasse quelque chose, je lui pète les couilles. Et hop, le top 5! Eh, merci d'avoir donné l'alerte. Ce contrevenant a déclaré forfait et a été expulsé de la ligue. Fichu robot. En plus, l'appareil de T-Bobo a révélé autre chose. C'est lui qui s'amusait à trafiquer les SBC. Il s'imaginait pouvoir nous rouler. Il s'imaginait pouvoir me rouler. Et pourquoi a-t-il triché? J'ai croisé d'autres robots dans la ligue. Oui, mais ils n'hésitent pas de se dissimuler, leur vraie nature. Avant chaque combat, nous devons inventorier toutes les augmentations des combattants. Tous les petits gadgets donc ils sont équipés. Mais pourquoi? Mais parce que certains joujoux ne sont pas très équitables. As-tu vraiment envie que ton adversaire soit en mesure de te latter les couilles avec une tronçonneuse? Ou bien qu'il explose si jamais tu le colles au tapis? Oui. Et avant la fin du premier round? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons découvrir ce qui a envoyé ce taré ici. Et pourquoi? Et je connais un endroit où il se passe toujours des trucs pas nets. Comme dirait Jiraya, l'ermite. Enfin bref, tu as compris la vanne. Et c'est la déchetterie. Le laboratoire des mythes. Vous êtes pas d'accord les frères, il y a un problème. Nye, j'ai cru que... Non, je parlais de la déchetterie. Ouais, mais le labo, c'est quand même une bonne idée, non? Effectivement, mais pour l'instant, contente-toi d'aller voir la déchetterie. Ok. Ça part. Bon, bah déjà on va lui donner la pizza. Donnez la pizza. C'est pas vrai, comment tu as fait? Ah bah, j'ai fait le voyage jusqu'en Crète. Merci mon garçon. Ces derniers jours ont été vraiment stressants. Je crois que ça me ferait du bien de me détendre un petit peu. Oh, je suis impatient dégoûté. Comme un beau vieux temps, pas vrai? Très bien, la mission a été faite. Est-ce que ça m'a débloqué quelque chose? Je ne sais pas. Bon, direction la déchetterie. J'aurais pas dû faire ça. Fonce à la robot facture et fais un peu le ménage. File. Pigé, boss. Hey, Karate Kid, salut. Qu'est-ce que vous faites à la robot facture? Rien, juste un petit subotnik. C'est comme si on faisait ça, faire le ménage dans mon pays. Et toi, qu'est-ce qui t'amène? Un robot a essayé de combattre dans la ligue professionnelle en se faisant passer pour un humain. Et cela va à l'encontre du règlement. Savez-vous pourquoi il a fait ça? Pourquoi je le saurais, moi? Parce que vous êtes en charge de la gestion des robots de la ville? Oh, c'est vrai. Mais même moi, je peux pas tout savoir. Et donc, vous pouvez rien faire pour moi? Je crains que non, camarade. Mais... Je peux te donner un bon conseil. Dans ce monde, et en particulier dans cette ville, il faut écouter les ordres et éviter de merder. Parce que... quand on merde, on se retrouve très vite à remiser... on se retrouve très vite à
Comment ça? Remiser à la casse. Et on se retrouve tout seul, assis par terre dans le noir à écouter une évanescence, un chialant comme une madeleine. Attendez, mais qu'est-ce que vous avez dit? Il a dit évanescence. Y'a pas le robot qui avait dit ça aussi? Que tu as fait dire à chialer comme une madeleine. Non, non, à propos d'évanescence, quelqu'un d'autre m'en avait parlé. Hein? Le robot tricheur, il a dit la même chose. Et personne d'autre au monde ne se souvient d'évanescence. Vous venez de vous trahir. Répondez-moi maintenant, qu'est-ce que vous m'allégrancez? Nous? Rien. C'est un truc qui nous dépasse complètement, toi et moi. Si vous refusez de répondre, nous allons prendre vous et votre robot pseudo-humain. Oh, oh la minute. Quand on merde, on se retrouve très vite remisé à la casse. Il n'y a pas de subotique à la robofacture, pas vrai? Vous êtes là pour détruire les robots, afin d'effacer les traces. Wake me up! Ah non, c'est pas ça. Wake me up inside. I can't wake up. Wake up inside. Save me. Save me from the nothing I've become. J'ai pas la ref musicale, putain. Ouais. Ah, j'ai pas la ref. Tu as déconnecté. Tu as déconné pour la dernière fois, robot Pecno. Bon sang, j'arrive trop tard. Trop tard pourquoi? Pour le subnautique apparemment. Bon bah on a récupéré ça hein. Alors, tu as réussi à trouver quelque chose? C'est bon, on a trouvé ça. C'est tout ce qui reste du pauvre robot pseudo-humain. Mais nous pouvons désormais affirmer avec certitude que la mafia est impliquée. Oh, si seulement nous savions comment exactement. Nous sommes à court de pistes, monsieur Barry. Je le crains, mon garçon. Mais comme le disait mon vieux, il faut toujours ouvrir l'œil. Mais c'est de la merde. Genre, t'as encore un autre dicton de merde comme ça, Barry? C'est nul. Vraiment, c'est nul à chier. Bon. Bon. Vous avez dire qu'on a bien progressé au niveau de la ligue. C'est-à-dire qu'on est top 5. Ah, il y a Desperado. Tiens. Bon, on l'a battu. C'est-à-dire qu'on est capable de le rebattre. Bon, il est top 5, hein. Écoutez, point faible trop fort, non? Je sais pas si on pourra faire toute la ligue aujourd'hui. Ça m'étonnerait même fortement. On a bien avancé, ça fait plaisir. Allez, mission? Non, pas de mission. Dommage. Bon, faut se nourrir. Faut énergie à fond, mais c'est tout. Impeccable. Bon, on s'entraîne. Hein. Hop. Parfait. Ah mais je suis déjà à fond. On va peut-être faire ça alors. Hop. Inscription accessible. Hop. Ah c'est un mec en rouge, berserker. Ça part. Allez on continue. Mister Blue. Eh il s'appelait Mister Blue. Ouais il a encore rêvé de moi lui c'est ça. Ok. Attends, on a 4 heures avant les genoux. Ça me fait chier ces genoux là, ces genoux de merde. On va faire ça. Hop. Ok, il reste une heure. Pas ça que je voulais faire. Mais je le fais quand même. 45 minutes. Je suis perdu dans ce que je veux faire. Voilà, c'est comme ça. Tac. Et tac. Ah mais c'est que 15 minutes, moi je pensais que c'était plus. Ok bah moi c'est midi. Ce rêve bleu. Oh là là, let's go. Mais c'est ouais c'est bon, on est prêt, j'arrive. Putain ça prend que je suis à fond. Je pensais que c'était 30 minutes les baveuses, mais non c'est 15. Depuis le début du stream je fais n'importe quoi. Bon, on a des nouvelles patates de forain. Ouais mais non mais ils sont pas hyper contents d'apprendre ça. On le fait quand même. Ça consomme quand même beaucoup plus d'énergie en vrai. Ok. Allez maintenant on travaille les pecnos. Ah ouais mais j'ai pas vu maintenant il y a le mec qui tape sur le pneu. J'avais pas fait gaffe à ça. Hop là. C'est bien, travaillez les jeunes. C'est comme ça qu'on devient des hommes. On porte la culotte. Est-ce que vous avez la rêve de cette réplique ou pas? En vrai, hein, ça m'étonnerait que vous l'ayez. Hein. Ça pue la transpi. Bah, c'est une salle de sport. Hein. Encore heureux que ça sent la transpi. Sinon,
Ça veut dire que les gens ne bossent pas, hein. Ok, nice. Bon, interaction. Ish, ish. Let's go. Ça part. Ah, ramène-toi, il y a du boulot pour toi. Ah, oh, c'est le dernier mec à recruter. C'est juste moi ou... Il prend plus de liberté ces derniers temps, les jeunes. Notre brave élève a un cousin. Et comme tu t'en doutes, peut-être déjà, ce dernier est allé se fourrer dans un sale pétrin. Ah, je suis un peu son idole et il rêve de devenir combattant lui aussi. Alors il a été dans la maison abandonnée pour combattre dans des combats contre des saints de robots. Un truc qui s'appelle le Robot Fight Club. Ça y est, on y est! Enfin! Depuis le temps qu'on voulait une référence, on n'en peut plus. Depuis maintenant que j'ai vu le film, c'est bon, je suis à la page. Les boulons, les écrous volent dans tous les sens. Le public finit couvert d'huile et de liquide de refroidissement. Les perdants finissent dans la déchetterie et les vainqueurs à l'atelier de réparation. C'est strictement réservé aux robots. Si un humain est allé se fourrer là-dedans... Oh non, mon cousin! Pour se faire simple, le gamin est sur le pont pour se faire mettre en pièces. Ouh, ouh. Alors, fonce là-bas et sauve-le. Il se retrouve le soir à la maison abandonnée. Je vous en prie, Sensei. Quoi, je vais à la maison abandonnée? Ça, ils ont dit à la maison abandonnée? C'est Tipa. Intervention, virgule, petit pont frappe. Messieurs, bienvenue au Robot Fight Club. La première règle du Robot Fight Club est... On ne parle pas du Robot Fight Club. La deuxième règle du Robot Fight Club est... On ne parle pas du Robot Fight Club. Yeah, c'est bon, j'ai la règle, j'ai vu le film, c'est bon, je suis sauvé. Correct. La troisième règle du Fight Club est... Je sais pas, je sais même plus la troisième règle, c'est... Si quelqu'un crie ouille, mon antenne, ou se met à vomir son huile, le combat est... Ah oui, putain, si c'est vrai qu'il y a ça. La quatrième règle du Fight Club, pas de combattants humains, seulement des robots. La cinquième règle, bla 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 bla. On peut commencer à se taper sur la gueule ou pas? Ha, un petit nouveau, tu vas commencer le combat. La cinquième règle du Fight Club est, si c'est votre première fois au Fight Club, vous devez battre en premier. C'est bon, j'ai les rêves, c'est bon, je suis content, j'ai les rêves. Oh, j'ai les rêves, c'est bon, j'ai lu. Oh, vous parlez pour moi? Tout de suite. On fait pas un petit échauffement avant? Un petit calcul pour s'échauffer, un petit truc de processeur, enfin, je veux dire comme les robots normaux, quoi. C'est pas vraiment comme un robot. Et d'après mes capteurs, quelqu'un dans les parages a très peur et très troublé. Lui, il ressent des émotions, c'est un humain, je hais les humains. Erreur système, plus rien ne répond. La quatrième a été enfreinte. Punissez l'humain. Oh, clairement, oui. Oups. Ouille, mon antenne. Oh non, tu ne tourneras pas une seconde fois. T'as de bidoche. Piouf, j'espère que j'arrive pas trop tard. Un autre humain. Notre position a été compromise. Erreur système, plus rien ne répond. Le Robot Fight Club est fichu. Ce n'est pas encore terminé. Il nous suffit d'empêcher ces gens de s'enfuir. Ouais, on a qu'à les briser. Il nous suffit d'empêcher les gens de s'enfuir? Tu t'es regardé? Que veux-tu dire, ta de chair? S'il y a bien une chose que j'ai apprise en regardant les vieux films de science-fiction avec Henry, c'est qu'un cyborg n'est pas un robot. Hein? Un cyborg est un humain avec des augmentations. Un petit peu comme Cyberpunk, le jeu qui a flop. Waouh, mais il rigole pas lui. Nous avons été compromis. Erreur système, plus rien ne répond. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai aucune idée. Je vais punir ces pauvres fous. C'est pas celui qu'on vient d'affronter, lui? Non? Ah non, c'est lui qu'on a fait full esquive, je crois, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, c'est le mec avec qui on a fait full esquive. Bon, soit on refait la même que la dernière fois, non? On lui met des petites tapes derrière la nuque. Genre le petit... Oh, le coup de pied haut qui fait 14. Ah oui, il fait mal quand même. Enfin, il fait 14 d'énergie. Ça consomme, Michel. Coup de pied haut. Et là, après, on fait fin de croisée. Ça, on s'en bat les steaks. Oh, c'est vrai que j'ai plus le coup repoussé. Ouais, mais il va faire que des esquives, donc en soi... Ah, si, je peux peut-être mettre le coup repoussé. Ouais, c'était ça. Ouais.
Il perd un d'initiative. On va peut-être faire lui perdre son initiative en vrai à lui. Ça pourra peut-être pas esquiver tout le temps. On est à 12, ça passe, non? Initiative, les esquives. Des petites tapes derrière la nuque. Ça part. Oh, le 22! Ok, nice. Eh, c'est pas dégueu, regardez, là, c'est à moi d'attaquer maintenant. C'est pas mal, c'est pas mal. Eh, ce combo contre lui est pas dégueu. Il y a un moustique qui vient de passer, je suis ravi. Je vais mourir. Ah, pourquoi j'ai mis insulte? Ah si, c'est l'initiative. Ah si, c'est bien. Robot de merde! Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Par contre, il a beaucoup d'énergie. Hein. Ok, nice. C'est remis à zéro. Oh, mais regardez, c'est Banger, il peut jamais attaquer. Il attaque jamais. Grâce aux insultes. Regardez, c'est fou. Aïe. J'ai rien dit, monsieur. C'est vous le plus fort. Putain, il a 27 en vrai. Il est déter. Hein. En vrai, j'ai même pas... J'ai même pas besoin de ça. J'ai même pas besoin de faire la frappe croisée. J'ai juste besoin de faire les 1001 vents. Parce qu'il m'attaque, il m'attaque jamais. Il m'attaque jamais, moi je le touche une fois tous les 36 du mois. D'accord? Jusque là, je pense que vous me suivez. Et je pense que je vais faire ça là. Ça, si je le touche, il prend Bagdad dans ce cucu. Ça part. Belle mentalité, full insulte évidemment. Full RP. Ah, j'ai peut-être changé ma stratégie, c'est peut-être pas le meilleur truc. Ok. Oh, le 44! Ouais, bah on va win. Hein. Bon, on lui a mis un gros dégât, on lui a mis une grosse tatane. Je pense qu'on va repartir sur le coup de pied haut. Histoire de récupérer de l'énergie. Là, c'est très bon, là, c'est très bon, ça, j'aime bien. Voilà. Logiquement, il va perdre. Voilà. Parfait. Le problème, c'est que j'ai plus trop d'énergie, ça c'est un peu le souci. Ok, le moins 22. Ok, bon. On a plus trop d'énergie, c'est pas un souci, puisque ben, en fait on va juste jouer la défensive. Puisque c'est le dernier round, on va juste faire ça. Et ça, et faire full esquive, et logiquement, logiquement ça passe, on a win. Voilà, let's go. Mais non, mais pas besoin de le tataner, regarde. Juste à attendre. Je récupère mon énergie et c'est win. Mais ouais, 52 à 245. Alors c'est qui le lion maintenant? Voilà, c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'on dit au faux robot maintenant, monsieur le faux robot? Ouille, mon antenne. J'ai l'impression que nous devons devoir reprendre nos robots boulot pour tous les jours. Autant aller travailler en tant que vulgaire aspirateur, ce n'est pas ce que je rêvais lorsque j'étais gamin. Erreur système, plus rien ne répond. Il me casse les couilles lui. Vous m'avez sauvé la vie. Je veux devenir votre élève. Je connais un meilleur endroit pour discuter de cette, que cette baraque en ruine. Et hop là. Waouh, c'est l'endroit le plus cool du monde. Le voilà, sain et sauf. Et en un seul morceau. Salut tout le monde. Sans toi les mêmes, j'espère que vous allez bien. Super. C'est que je suis cringe autant quand je vous dis bonjour. Quoi? C'est qui lui? Ton cousin, je crois. C'est pas mon cousin, je sais pas qui c'est ce mec. Mais il était au Robot Fight Club et les robots s'apprêtaient à le punir, tout comme tu m'avais dit. Mon cousin n'est pas assez con pour aller là-bas sans déguisement. Il a dû se faire passer pour un robot du genre répétant toujours la même phrase, comme un robot. Un truc genre erreur 6. Oh. Bon, voyons les chances du côté. J'ai sauvé ce gars. Et il est tranquille. Le mauvais gars. Ouais, mais c'est pas grave. Problème de cyborg. Non, mais j'y crois pas. Oh là là, mais c'est le mec qui m'a cassé les couilles. C'était lui en fait. Les gars, vous savez pas me mettre dehors à cause de ça, hein? Bien sûr que non, mon petit. Tu peux rester. Youpi! Pas sûr de pouvoir dire autant de ton sensei. Pour ce que ça vaut, moi je vous ai trouvé génial. On se revoit à l'entraînement, sensei.
Bon bah voilà. Super. Mais j'ai pas mis mon casque à l'envers? Non. Mais comment ça se fait? Vous aussi vous entendez le son à droite? J'ai peut-être mis mon casque à l'envers? Non, c'est pas possible. J'entends la porte qui se ferme à droite, c'est pour ça. Elle est censée se fermer à gauche. Là les gens font non, moi j'entends bien à gauche, t'as mis ton casque à l'envers. Non mais c'est bizarre. Left. Right. C'est bon, non il est à l'endroit. Parce que le jeu est là pour me troll en fait. Le jeu est là pour me troller, c'est tout hein. Faut se rendre à l'évidence hein. Bon, on a un combat dans 18h, oh il est déjà 21h. Aïe. Bon au moins on a sauvé le gamin, c'est une bonne chose. On va tenter de faire un petit combat. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Le dernier petit combat. Vous pensez que je peux aller chercher le 30? Le 31? Comme mon jour de naissance? Ah, ça peut potentiellement le faire. Hein. J'y crois. Le fil est toujours du même côté quand tu streams. C'est le jeu qui te troll. Bah justement, je repère par rapport au fil en plus. Hein. C'est comme ça que je sais si j'ai mon casque à l'endroit ou pas. Hein. Sinon, je suis complètement con, complètement teubé. 1, 2... Oh, j'ai plus rien à bouffer. Non, que diable. Bon, c'est pas grave, il me reste des pizzas, mais... En vrai, les gars, je veux ce 31 d'agilité. Et je l'aurai. Allez, pousse. Pousse, Patrick. Let's go. Impeccable. Et j'aurai ce 10, et j'aurai ce 20. Vous pensez que je l'aurai? Je pense pas. Je crois que j'ai de la pizza, attendez, en stock. Hop là. Arrêtez, j'ai faim. C'est bon. Mais bon, tout va bien. Tout s'est bien passé, les gars. En plus, ça redonne du moral et tout, c'est trop fort. Ok, j'ai 30 minutes. Ah, je sais pas si je pourrais passer un peu plus en force là-dessus. 5 heures. J'ai peur que ça passera pas. Je pense que je pourrais pas avoir la force au max. Donc je vais assurer ça du moins. Ouais, vous avez vu, 1 heure. Je m'aurais étonné qu'en 1 heure je passe sur le truc. Bon, le dernier combat de la session. On affronte Mr. Blue. Mais pas trop. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a mais pas trop, mais peut-être parce qu'il est rouge. Ah non, on a fait 5 matchs aujourd'hui. Bon, il y a eu quelques disqualifiés, mais ça part. Hein. Alors, Mr. Blue qui est tout rouge. Très bien. Au moins, on est sur des bases solides. Donc, il est full rouge. Baissez votre garde, foncez, renvoie. Les dégâts qu'il inflige augmentent les dégâts reçus. Alors, j'ai très envie de tester, vous savez, la compétence... Où je pète la gueule au gars. Du genre ça là. Augmente de 40% les dégâts infligés si l'adversaire n'essaye pas de bloquer ou d'esquiver. Mais je vais prendre en contrepartie des dégâts. Mais est-ce qu'on testerait pas pour voir la puissance du build ou pas? Ça peut être drôle, non? Genre au moins on teste ça. La contre-attaque renvoie l'adversaire 60% des dégâts qu'il inflige lorsqu'une esquive est réussie. Ah mais attendez, je vais faire ça. Mais pourquoi j'ai contre-attaque? Attendez, mais j'ai un truc. Le contre-croisé. Oh, j'ai envie d'envoyer des tatanes. Vraiment, genre là, inflige le double de dégâts à l'adversaire si elle cherche pas à défendre. Donc ça fait 30 de dégâts. Donc 30. Pour moins d'énergie. Oh mes frères, mais je vais le tartiner sa grande gueule. Après, faudrait même que j'arrive à le repousser. Ça serait fort. Genre ça. Genre vraiment là. Bam, bam, bam. J'envoie tout. Eh, vous pensez? Oh, ça serait... Par contre, alors,
Le problème, c'est que ça va me renvoyer des dégâts. Mais à tout moment, je le Michel. Bon, je sais très bien que je vais perdre ce combat, mais pour la science, on teste. Parce que faisons le calcul. Hein. Il augmente de 60% les dégâts reçus, donc c'est-à-dire qu'il va prendre 60% de plus que ça. Donc, il va prendre 30 plus 60%, donc il va prendre 16. Mais surtout, il y a ça. Donc 40% de 30, ça fait quoi? Ça fait 14. Il va prendre 40. 40 de ma... normalement, j'envoie des 60. Hein. Pire que fait l'inverse, puisque fait l'inferno avec le revenge, hein, x3. Hein. Allez les gars, j'y crois pas du tout. Mais c'est incroyable! Oh la dinguerie! Wouah! Ouais, non mais les gars, il faut jouer en rouge parce qu'on envoie des bastos. Un mec qui se protège pas, sur lequel... Eh là, la stratégie a été bonne. Hein. Alors là, j'ai mis des patates. Eh, au niveau des statistiques, 343. Il avait pas d'initiative, j'ai pas vu les dégâts. Mais tu lui as mis des patates de forain, frère. Oh, je suis désolé, mais bah, je sais. Ah, Mister Blue, bah là, il est nul, hein. J'ai rien contre le monsieur, mais il était nul à chier, hein. Bah voilà. Écoutez, finir sur ça, est-ce que c'est pas une bonne chose? Moi, je pense, hein. En vrai de vrai. Enfin, on l'a arraché. C'est-à-dire qu'on est combien là? Prochain adversaire sera Desperado. Desperado qui n'avait posé beaucoup de soucis. Hein. Je sais plus comment on l'avait affronté, mais lui qui va être coriace. On a également Brad quasi sans fringue. Brad quasi sans fringue. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il a pas de t-shirt. Il est en mode cobra. Avec de l'esquive. Et après, à la fin, on aura Jax. 9000 points. Et ici, on pourra passer à la ville haute. Et ça fait plaisir. Oh, mais on lui a cassé sa gueule. Ça régale.